Salut à tous, c'est Sorator pour une nouvelle vidéo sur Don't Starve Console Edition PS4, donc avec le DLC Reign of Giant. Alors, vu comme j'ai merdé avec Weber sur ma première partie, je vais retenter avec lui. Alors j'espère cette fois-ci que je vais pas commencer au printemps, parce que c'est vraiment affreux. J'ai eu le temps de rien faire, donc... Et puis c'est un cercle vicieux, parce qu'on a de moins en moins de santé mentale. Il y a des hallucinations qui arrivent, donc on peut plus rien faire, enfin c'est une horreur. Donc j'ai même pas pu me créer un seul parapluie, c'était vraiment catastrophique. Donc là j'espère ne pas commencer au printemps. Je sais pas si on peut modifier la saison de base dans les paramètres du monde, ou si c'est purement aléatoire. En tout cas j'espère qu'elles vont être un petit peu plus sympas, que je vais avoir le temps de m'organiser un peu. Parce que la pluie, c'est vraiment une catastrophe. Il n'y a pas de lapin. Ça, c'est ouais, une horreur. Donc, cher Maxwell, toujours la même chose. Oui, oui, il faut trouver quelque chose avant la nuit. Quelque chose à manger. Hop. Les fleurs, hein, je pense que je vais pas les ramasser tout de suite. Alors j'ai vu, je sais plus où, qu'on pouvait faire un collier, mais j'ai pas regardé le détail de l'artisanat pour ça. Donc honnêtement, je sais pas où c'est, je pense pas qu'on puisse se le faire de base. Ce serait peut-être là-dedans. Non. Non, non, non. Alors déjà, je suis pas au printemps parce que le jour est beaucoup plus long. Donc ça c'est cool. On va ramasser un max de ressources. Hein. Parce que comment j'ai galéré aussi par rapport à ça dans l'autre partie. C'est incroyable. Alors il me faut des silex. Des silex, des silex. Il n'y en a pas un seul. S'il vous plaît, des silex. Soyez gentil. J'ai assez souffert. Allez, allez. Ah ouh, j'en ai vu un. Hop. On ramasse. Donc je peux me faire une hache. Donc on va couper du bois. Tout simplement. Allez, allez. Coupe, coupe, coupe. Tac, tac, tac. Hop. Donc j'ai pas de pelle. Je peux pas replanter. Replanter. Déterrer la souche d'arbre. Hop. On les replante tout de suite. Quoique les pommes de pin, je vais peut-être les garder. Pour les mettre vers mon camp. Après, j'ai limite envie plutôt de prendre les nouveaux arbres, parce qu'on peut manger les... Je sais pas ce que c'est, les graines que ça laisse tomber. Donc on peut ou replanter ou manger. Alors, est-ce que ça, c'est la taille maximale de l'arbre? J'ai un doute, mais bon, on va le couper quand même. Il est toujours plus gros que ce qu'il y a autour. Oula, non! Ça m'a rien donné du tout. Donc c'est pas un grand arbre, ça. Donc faut éviter de les couper, les petits. Ça rapporte pas grand-chose. Alors j'arrive dans une zone rocheuse. Il y a peut-être des araignées. Est-ce que j'ai des copines par ici? Non. Ah, quoi que ça continue un peu... Ouh, des silex, on ramasse tout ça. Ouh, une toolstone. Ça commence assez bien. Hop, il y a un petit bout de marécage là, on sait pas pourquoi. Bizarre. Hop, on va se faire une pioche, on va aussi miner. Tac. Donc de l'or, il m'en faut à fond aussi. Si je veux avoir accès rapidement à la deuxième machine, il m'en faut. Donc ce serait cool que je trouve Chester aussi. Le nitre, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Parce que j'ai eu la confirmation, le feu, j'ai oublié le nom. Ouais, l'endothermique feu, c'est l'inverse d'un feu classique en fait, ça crée du froid en gros. Ça, on active, j'ai pas le marteau. Je vais pas le faire tout de suite parce que sinon je vais m'encombrer trop. Est-ce que la toolstone apparaît? Oui. Donc faudra que je revienne récupérer les peaux de cochon pour me préparer pour l'automne, me faire des parapluies. Enfin, si c'est bien ce qu'il faut, du coup. Parce que
tout à l'heure, ce que je regardais, c'était l'umbrella en fait. C'est pas un parapluie. Ah si, ça protège du soleil et de la pluie à la plage. Plage. Non, bay, c'est quoi? Je sais plus. Ah, donc quand j'avais vu umbrella, c'était bon en fait. Bah oui, umbrella, parapluie. Pourquoi j'ai bloqué comme ça tout à l'heure sur umbrella? Pour moi, ça voulait plus dire parapluie, bon, je sais pas. Bref, on s'en fout. On se concentre sur ce qui se passe dans cette partie. Hop. On ne dit pas de nitre, donc je coupe que de l'or. Je mine que de l'or. Oh purée, la journée passe tellement vite. Bon, déjà, j'ai un peu à manger, j'ai du bois. Donc c'est déjà moins catastrophique. Ça, c'est cool. Alors après, par contre, faudrait que je trouve un biome savane si je veux me poser. Est-ce que les arbres ont poussé? J'ai pas l'impression. Hop, allez, ramasse, ramasse, dépêche-toi. Tac. Tac. Je sais pas, il est pas grandi l'arbre, j'ai un doute. Je sais pas. Bref, de l'or. Il me faut de l'or. Hop, 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 on ramasse tout ça. On va aller un petit peu au sud. On sait jamais. Il y a de l'eau, d'accord. Ouh, pardon. J'ai mis un coup dans le micro. Tac, tac, tac. Les pierres, je suis à combien? 16. Bon, je peux déjà me créer le feu avec les pierres. Il ne me reste plus qu'à trouver un bel endroit pour me poser. Hop. Hop. La nuit va pas tarder à arriver, donc je vais essayer de me faire un petit feu à côté de quelques arbres. Tac. J'ai peut-être encore le temps de faire quelque chose. Des silex. Hop. Ouais, c'est très rocheux par ici. Il n'y a pas de bœufs, il n'y a pas de lapins. C'est pas une zone idéale. Hein. Je serais tenté de revenir sur mes pas pour aller au sud-est. Parce que je pense qu'on va pas arriver dans une belle zone. Là. Quoique ça revient au vert juste après. Ouh, il va faire nuit. J'ai plus de pioche, ok. Hop, on va se poser... Voilà, juste ici. Hop. On va manger un petit bout. Cook. Cook. Alors, je sais qu'en donnant de la viande à des araignées, on peut les domestiquer. Mais alors, je sais pas combien de temps elles nous suivent. Donc, je sais pas si je les mange, les morceaux de viande, ou si je les garde pour les araignées. Pour essayer d'avoir des gardes du corps. Toujours pas de pelle. Il faut que je me refasse une petite pioche. Tac. Et on mine. Ouais, l'appétit, c'est pas ça, là. C'est en train de descendre assez vite. Ouais, bon, pour l'instant. Hop, je remets une bûche. On va aller refaire un caillou. Hop. Donc apparemment je peux déjà faire la machine, la première machine, l'onglet est vert. Ouais, il faut que je trouve un endroit intéressant pour me poser. Parce que ici c'est vraiment pas top. Hein. Pas top du tout. Bon, le jour s'il vous plaît. Ouais, j'ai envie de revenir. Hein. Oh. Ça me plaît pas là où je vais. On va quand même continuer à explorer un petit peu au sud-ouest. Voilà, le jour arrive. Parfait, on peut repartir. Tac. Hop, 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 allez, allez. De l'or, ramasse tout. On va ramasser les baies aussi. Tac. Brindilles, il m'en faut.
Putain, mais elle est bizarre cette map là. D'accord, ça s'arrête là. Ça repart pas. Attendez, ça touche là? En bas? Ah non, d'accord, je crois qu'il y avait de la terre en face. C'est bizarre là ce petit renfoncement là. Ouais, c'est un peu bizarre. Bon, on continue par ici. On va voir ce qu'on trouve. Encore de l'or, un petit peu de marécage. Alors, je sais pas s'il y a la place pour un tentacule là. Bon, j'ai déjà plus de 40 pierres. Ouais, il n'y a pas de tentacule. Bon, on va continuer l'exploration. Ça a l'air de s'arrêter ici. Ouais. Alors, on va continuer au nord. On fait le tour de la boucle du coup. Je pense pas que ça parte très très loin. Ouh, on change de type d'arbre. Quoique si, ça repart. Hein. Oulala. Et j'ai toujours pas vu un seul bœuf. Ni les lapins. C'est quoi cette zone là? Allez, ça. Le bout de la map qui sert à rien. Tac. Hop. Bon. Alors, là, il se passe rien. Il n'y a pas de monstre chelou. C'est vraiment bizarre hein, d'une partie à une autre, des fois. Ça n'a rien à voir. Alors, il y a une ruche. Ensuite. Ah, ouh, des araignées. Des copines. Alors, est-ce que je les tue pour récupérer l'œuf? Pour le poser vers chez moi? Je sais pas. De toute façon, j'ai même pas. Je peux pas me faire l'armure en bois. C'est chiant ça. Les copines, vous voulez pas me donner votre nid? Alors, des taupes. Oh là là. Je vais pas me poser ici là, purée. Bon. Apparemment. On est en fin de zone là. J'ai encore pété ma pioche. C'est génial. Hop. Mais bon, c'est pour ramener de l'or, ça vaut le coup. Hop, le reste, on le laisse. Oh, j'ai que 7 brindilles. C'est toi qui fais des bruits là? Attends, elle mange les silex? Sérieux? Depuis quand les taupes ça mange de la pierre? C'est n'importe quoi. Bon allez, on récupère encore de l'or. Par contre je commence à avoir un petit peu faim, donc je pense que les morceaux de viande de monstre, je vais les manger. On va pas prendre le risque de crever de faim. Allez, je veux quelque chose d'intéressant. Je sais pas où je suis en train d'aller. Mais les nazes, cette zone. Puis même le foin, il n'y en a pas des masses. Hein. Le foin et les brindilles. Bon, en tout cas, des cailloux, j'en ai. Ça, c'est sûr. Alors. Putain, mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Où est-ce que je suis allé? Regardez, il n'y a pas un seul truc. Encore de l'or. Pourquoi pas. Hop, on prend. Ouh, je commence à avoir très très faim. Est-ce qu'on peut traverser là? Comment c'est foutu? D'accord, c'est vraiment chelou là, ces petits morceaux d'île qui servent à rien. Ouais, j'ai jamais vu ça dans mes premières parties. Attends, il y a un buisson sur de la terre sèche.
Buisson de baie. C'est bizarre ça. Hein. Hop. Ensuite. Oh là là. Elle est un peu grande cette zone là. Et pourtant, il n'y a pas grand chose. Allez. Oh non. Mais cassez-vous avec votre pluie là, sérieux. Je peux rien faire, je peux juste faire un parasol. Parce que le parasol ça protège pas de la pluie. Poche et une portable protection. C'est le parapluie qu'il me faut. Il faut que je me pose là. Ma copine, dites-moi où faut que je me pose. S'il vous plaît. Alors attends. Oui, c'est vrai que les arbres ça protège un petit peu de la pluie. D'ailleurs, je vais m'en recouper un. Hop, it's time for a snack. Ouais, tu vas manger, t'inquiète. Tu vas tout manger, même, je pense. Hop. J'attaque pas mes copines pour le moment. Je préfère éviter, donc. Hop. Si, ramasse le rocher. Et il va faire nuit. Hop. Alors après, j'aimerais bien comprendre pourquoi moi j'ai besoin d'un feu. Hein. Ma hache, elle est où? Elle est morte? D'accord. Je l'ai pas vu se péter pourtant. J'ai fait une boulette avec? Je sais pas. Bref, à tchule. On va manger aussi. Il est plus que temps. Hop hop hop. Tac, on va se faire aussi les deux viandes de monstre. Allez, mange tout. Ça ira mieux. Voilà. Allez, on va aller couper cet arbre. Donc là, j'ai 13 bûches. Oh oui, je peux en couper des arbres. Tac. On va aussi couper celui-là, hein, tant qu'à faire. Allez. Allez. Hop. On ramasse tout. Et bah, je crois qu'on va rester autour du feu en attendant que ça sèche. Hop. Donc, je suis à 19 bûches. C'est pas trop mal. Parce que là, hein, c'est vraiment pas bon pour se poser. Oh putain, mais la pluie, c'est une horreur. Ah oui, j'ai pas récupéré les pots de cochon. Puis les toiles, purée. Ta barbe, elle veut pas pousser, là. Hop. Des fleurs. Ouh, un mini glacier. Alors je pense que je vais tenter le vert. Parce que là, la zone où on est, elle me plaît pas des masses. Allez, on tente. Ouh! Nanana! T'en viens par chez moi là, hop hop hop. Il y a de l'or, mais bon, il y a du Tollbird surtout. Tiens, il n'y a pas son œuf. J'ai vu le nid sans œuf. Bon, allez, hop. On dégage. Alors, ce serait bien d'arriver dans une zone assez sympa. Ouh, ça, c'est un bel arbre, ça. Donc, normalement, si je le coupe, je récupère les espèces de graines qu'il donne. Hop. Oui, il m'en a donné deux. Donc, je peux ou les manger ou les replanter. Et j'ai déjà pas mal de bûches, on va s'arrêter un peu. Ah oui, là c'est bien, il y a des beaux arbres. Alors attendez, je suis au nord, au sud, non, tout à l'est. Faut peut-être qu'on essaie de revenir un petit peu. À moins que ça enchaîne avec un joli biome. Donc j'ai vu un champignon rouge au sud, mais j'en ai pas besoin pour le moment. Je n'ai pas de croque-pot. Mais attendez, là, c'est énorme ici. Il y a des arbres partout. Et ça va jusqu'où, là?
J'en ai fait partir de l'autre côté. Je sais pas où on va, mais on y va. Allez, y a rien, si. Alors la route tourne, on va aller voir tout au fond quand même. Alors, il y a un peu d'or. D'ailleurs, c'est bizarre dans cette zone. Hop, on va la miner. Alors par contre, là, j'ai pas vu d'espèce de catcoon, là. Les ratons laveurs. Non. Bon. J'ai l'impression qu'il faut que je revienne vers où j'étais. Là, c'est pas terrible hein, pour se poser. Hein. En attendant, on va manger un petit papillon. Hop. Ça fait pas de mal. Ah, lui, ça lui... Ah non, il a déjà sa santé à fond, j'ai rien dit. J'allais dire que ça lui redonne pas de la santé. Bon. Encore un caillou. Hop. Bon, allez, vous savez quoi? Je me ferai la pioche en or. La hache, elle est là. Tac. Tra. Quoi, les fins? Ouh, tiens, du raton laveur. J'ai pas de défense. Alors, le raton laveur, je sais pas quoi ça sert à part nous sauter dessus. Le catcoon, pour être plus précis. Hop, allez. La forêt, il n'y a rien. Il n'y a pas un lapin, un buffalo, rien du tout. Trop. Et donc du coup, je commence à me dire que cette zone, c'est une zone à raton laveur. Parce qu'à chaque fois, ils sont dans un biome comme celui-ci. Donc je pense que c'est le cas. Hop. On mange. Par contre, faudrait que je regagne de la santé mentale. Je sais pas si ce soir je me fais un sac de couchage. Bon. Quoi, c'était quoi ce bruit? J'ai entendu un bloop. D'accord. Ouh, si, du biome qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a des lapins? Déjà, il y a de l'araignée, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a des lapins et du bœuf? Oui, il y a du lapin. Alors, est-ce qu'il y a des bœufs? Bonne question. Alors, je me pose dans le coin, je sais pas. En tout cas, pour le moment, c'est ce que j'ai vu le plus intéressant. Ouh, une armure. Parfait, les planches aussi, c'est chiant à faire, je ramasse. Je crois qu'une planche, c'est 4... Oui, c'est ça. 4 morceaux de bois. Elle est pas top la zone hein, quand même. Après j'ai pas tout regardé mais bon. Faudrait vraiment d'autres ressources. Déjà en attendant. Hop. À part ça, des lapins, de l'herbe. Alors. Une ruche. Oups, oh là là, j'ai fait faire une boulette. J'ai appuyé sur carré. Bien fait de pas attaquer la ruche. Ça aurait pu mal finir. Oh, ça retourne sur de la caillasse, hein, mais il y en a partout. Hein. Oh. Non, non, on va pas se poser ici. De toute façon, on repart dans l'autre sens. Ouh, des abeilles, il y en a. Hein. Peut-être que j'arrête de tourner la map. Merci, je veux zoomer, mais voilà. Je vais essayer de me rapprocher de là où j'étais au début. J'espère qu'il y a une belle zone au milieu. Donc là, faudrait que je reprenne un peu au nord. Ça, pour l'instant, on le laisse. Hein. J'ai pas la place de m'encombrer. Alors, on retourne sur un biome savane. Qui a l'air d'être le même, en fait. C'est que ça fait le tour d'une zone verte, non? Je sais pas. Mais par contre, Ah, comment ça s'appelle ça? Les branches. J'en ai pas beaucoup. C'est embêtant ça. Hop, voilà, les brindilles.
J'avais oublié le nom. Enfin, moi j'appelle ça des brindilles. Bon. Où est-ce que je me pose pour la nuit? Dans le coin au milieu des... des touffes d'herbe? Ou un autre trou? Eh ben on va le prendre. On est en mode exploration. On va attendre demain quand même. Allez, on se met là. Tac. On va manger les deux trucs là. Cook. Je sais pas si c'est des espèces de marrons. Allez, on va pas se faire une pioche, tant pis. On ramasse juste la paille. On va se faire quelques graines aussi. Tac. Par contre, la santé mentale, là, ça va pas. Oulala. Tac. Est-ce que je peux me faire un sac de couchage? Putain, il me faut une corde, je peux pas faire de corde. Faut vraiment que j'aille me poser quelque part pour faire la machine. Ça va pas là. Tu me dégages. Hallucination. Bon. Je trouve un bon endroit. On va essayer le verre, on verra ce que ça donne. Allez, le jour 3. On se dépêche. Allez, allez. Allez, allez. Putain. Elles sont longues, hein, les ennemis, quand même. Hein. Et lui, il a les paniques talopes. Cette araignée, là. Alors, attendez, je vérifie mon inventaire. C'est bon, les bûches que j'avais en plus, elles y sont passées. Et le reste, j'en ai besoin pour plus tard. Ouais. Allez, allez. Laissez-moi me barrer, merci. Allez, on tente le verre, même si j'ai une santé mentale merdique. Putain, j'aime pas sa barbe, hein. Ça m'a fait bizarre. Alors, le mieux, je crois que c'est de la couper au jour 9. C'est là qu'il en a le plus. Ou au 10e jour, je sais plus. Alors, où est-ce que je suis? Oh, ils ont mis des cailloux comme ça à la surface. Ah, c'est cool. Ils ont fait une espèce de désert, en fait. Les cactus, qu'est-ce que ça fait? Pique, non, je pense pas. Attends. Il y a des choses qui sortent. D'accord, j'ai pas tout compris. Ça, ça se mine, ça? Putain, la santé mentale, oh là là. Ouais, puis je suis pas en bon état et je prends un verre, moi, n'importe quoi. Je vais regarder si ça se mine, ces machins. Ah ouais. Alors ça donne du caillou normal ou... Ah oui, c'est que du roc. C'est cool ça, si on cherche que ça. Bref, on reprend la hache. Oh, la santé mentale, faut que je fasse quelque chose. Du coup, je vais pas reprendre le verre parce que ça va encore plus me mettre dans le caca. Et ben on est parti au sud. Hein. Alors je suppose que je vais pas trouver de fleurs par ici. Quoi, les fans, non merci. Les cactus, hein, je crois qu'il n'y en avait pas du tout. Hein. Je sais que là, ces espèces de roseaux bizarres, il y en avait en sous-sol. Enfin, en caverne. Mais le reste... Après, j'ai pas visité beaucoup d'étages hein, dans les cavernes. Alors, j'ai vu des fleurs démoniaques. Ouh, la porte de Maxwell. Voilà, on va l'activer comme ça, on la verra sur la map. Ouh, ma santé mentale, c'est pas bon, ça. Oh non! Elle est agressive. Ouais, oh putain. Il m'a l'air un peu chiant lui au niveau de la santé mentale par contre. On va partir sur la droite. J'espère que ça rejoint. Je crois que je vais ramasser des fleurs, allez. Là ça va pas du tout. Tant pis pour les papillons. Trop. Ouais voilà. 24, ça va déjà un peu mieux. Silex 30, on ramasse. Les carottes, on ramasse aussi. Alors j'aimerais bien trouver plein de fleurs. Si c'est pas trop vous demander. Un champignon rouge. Un trou de taupe. Y a rien.
Bah alors. Ah, mais je me trompe de touche pour dézoomer. Voilà, tac. On est bientôt revenu à la zone de départ. Et finalement, ça m'a pas l'air extra pour se poser. Hein. Enfin, on n'a pas encore tout vu. Ça, on prend. On va avoir très très faim ce soir. Tac, ça, on ramasse. Attends, elle est agressive? Non, et oh, j'ai 29 hein, en santé là. Fais-moi la paix là, lui. Ouh! Chester! Ah! Les poches sont pleines! Non, on s'en fout, vite, vite, vite. Hop. Ah, les pommes de pin. Qu'est-ce que je laisse? Chester! Attends, 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 attends. Ça, hop. Alors attendez, on va vider un peu tout ça. Tac. Ça aussi, voilà, on va faire un stock. Et ça, je vais pas le poser tout de suite. Hop, voilà. Comme ça, je me suis un peu vidé les poches. Par contre, laisse-moi récupérer juste les pommes de pin, s'il te plaît, trou du cul. Ah! Dégage. Mais ouais, même poursuivi. Alors la santé mentale, hein, ça va pas aller de mieux en mieux. Et j'ai vu qu'il y a sûrement la potato thing, juste là, là. Ça en avait l'air. Oui. C'est toujours avec une ferme et... C'est quoi, c'est une pelle ou une broche? Broche, c'est pas le terme, mais chevelle. Une fourche. J'aime bien la pelle. Je l'utilise beaucoup, moi. Hop. Dès que je coupe un arbre, un coup de pelle. D'ailleurs, pour enlever ça, je crois que c'est pas avec la pelle, c'est avec la fourche, hein, qu'on peut récupérer les trucs, ouais. Bon, tu peux me laisser vivre un petit peu là, l'hallucination? Putain, mais c'est pas vrai. Cassez-vous! Putain, mais lâche-moi! Chester! Oui, il est temps de manger. Ah oui, il y a des grenouilles. Hop, on évite pour le moment. Donc j'ai rejoint l'une des zones où j'étais. Hop, ouais, bon, l'hallucination, ouais, elle me rattrape encore, c'est super. Oh. Mais oui, mais avec cette hallucination, j'ai le temps de rien faire. Bon, en tout cas, j'ai trouvé. Oh, mais putain, mais j'ai du mal avec les touches, hein. Mais, oh, putain. C'est L2R2. Ouais, ici, ça m'a l'air pas trop trop mal. Il y a des lapins. Pas mal de foin. Ce qui va manquer, c'est de la verdure. Après, il y en a beaucoup à l'est, cette espèce de verdure bizarre. Au sud, peut-être que c'est un peu plus intéressant, là où il y a le vert. Voilà, ici. Non, il n'y a rien. D'accord, c'est vachement plus intéressant. En effet, il n'y a même pas de fleurs, rien du tout. C'est génial. Bon, bah, on va repartir au nord-ouest. Voir s'il y a des trucs sympas pour se poser, sinon là on n'est pas trop trop mal. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de bœufs. Alors on va aller un peu plus au nord. Il me faut des bœufs. Un champi vert, mais bon, je peux pas cuisiner. Ça, on ramasse. Je sais pas si l'alu est toujours après moi. Enfin, l'hallucination. Hop, allez, allez. Parce que comme j'ai ramassé 4 fleurs, j'en trouve pas d'autres. Je sais pas si je vais réussir à faire la couronne. Hein. Hop. Hop. On continue. Tac. Tac. Pourquoi la santé mentale, elle descend là? Il se passe rien. C'est fou ça. Ouh, des fleurs. Pourquoi il y a des fleurs ici? C'est bizarre ça. 27. Hop. Tac. Voilà, comme ça j'ai un bon petit stock de foin. Ça, c'est sympa. Tac. Hop, on continue à ramasser. Il manque un truc hein, dans cette zone. Hein. C'est pas parfait. L'hallucination, elle est agressive ou pas? Je me rends pas bien compte. Bref, on continue. Si, ça peut être pas mal là. Il y a des arbres, il y a de la verdure, il y a du foin, il y a des lapins.
Il fait noir et je fais pas gaffe. C'est super. Et on va se faire à manger. Cook. Ah oui, on va beaucoup se faire à manger même. Gentil, hein, l'hallucination. Hein. Ouais, elle a l'air. C'est bon. On va quand même éviter de s'en approcher. Cook. Vas-y, mange, mange, mange. Alors, je crois que les baies, ça redonne de la santé mentale, normalement. Non. Ça doit redonner de la santé tout court, alors. Dommage. Hop, ça ira pas mieux aujourd'hui. Tac. Add fuel. Ouh, putain, il y en a partout, les hallucinations. Cassez-vous, laissez-moi tranquille. Hop, on va se manger la petite baie que je viens de ramasser. Tac, et je vais aller couper le bel arbre qui est juste ici. Bon, je suis un peu dans le noir. Ça va, il n'y a pas une grosse flèche sur ma santé mentale. Donc il n'est pas dans l'obscurité complète. Alors, j'ai pas fait gaffe, est-ce que ces boules là, ça redonne de la santé mentale? Non, oh là là. Faudrait que je dorme là. Bon. En attendant, ben, je peux plus rien faire d'autre. Je pense que je vais me poser dans le coin. Je vais explorer un petit peu plus aux alentours là, vraiment en rond. Voir quelle serait la zone la plus intéressante. Mais je trouve qu'on est pas mal ici. Tiens, d'ailleurs, j'ai laissé une bûche. Une bûche? Tu veux pas la ramasser, la bûche? D'accord, merci beaucoup. Hop. Tac, tac. D'ailleurs, j'ai une bûche toute seule maintenant. Du coup, éléphant. Ouais, je suis pas bien préparé. Je le laisse pour le moment. Hop. Hop. Donc là, il n'y a plus rien après. Alors. On va se poser dans le coin, ça me paraît très très bien. Toi, un petit coup de pelle, hop, dans le papillon. Ouais, j'ai pas envie de ramasser toutes les fleurs, non non, je vais en laisser quelques-unes. Faut que les papillons continuent à apparaître. Il faudrait un filet à insectes. Pour replanter des fleurs et ainsi de suite. Il m'en faut 12 quand même. Hop. Tant que j'en laisse une, il y a moyen de replanter plein de fleurs. Ça va être long, mais il y a moyen. Tac. Donc là, j'ai tout exploré. Tiens, il y a une graine. Hop. Bah, je vais me faire une couronne de fleurs. Faudra que je pense à me faire un filet. Et replanter plein de papillons. Tac. Et tac. Allez, ça devrait aller mieux. Avec ça. Oui. Ça remonte. C'est vrai que le printemps, c'est vraiment une horreur. Il n'y avait pas moyen de récupérer la santé mentale, quoi. Là, au moins, c'est gérable. C'est cool. Alors, attendez. J'ai ma pelle. On va en profiter. Fais gaffe, hein, l'abeille. Je sais pas si ça se bat vraiment, les abeilles et les... Hop. Et les araignées. Alors par contre, moi, il me faudrait des bœufs, là, si je veux ramasser du caca et compagnie. Dig. Wow, 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 m'agresse pas, hein. Attention, hein. Je prends juste... Hop. Le minerai que tu as. Oui, j'ai lu ça sur le net, quand même, comme astuce. Faut surtout pas les agresser, mais par contre mettre un coup de pelle dans leur trou, ça permet de récupérer des minerais. Donc voilà, j'ai deux stocks d'herbe pour l'instant, c'est très bien. On va peut-être arrêter un peu sur l'herbe, on va aller visiter un petit peu plus au sud. Voir s'il y a autre chose. Ah mais c'est les bœufs là, ils vont me manquer hein. C'est bête ça. Et puis en plus, il n'y a pas une seule araignée dans le coin. Oh, on va aller voir un petit peu au sud. Davantage au sud, il y a peut-être un petit peu plus intéressant, on sait jamais. Je vais embarquer un arbuste, l'autre je le laisse. Hop. Parce que j'aime bien laisser quand même des petits arbustes à droite à gauche pour récolter des baies de temps en temps. Quand on se balade, ça peut servir.
Alors, est-ce qu'il y a des choses qui m'intéressent ici? Des lapins, de la caillasse, plein de fleurs. C'est bien, une forêt. Non mais je veux pas aller dans les forêts épaisses là. Y'a pas d'araignées là? Si, y a des copines. Le seul truc qui manque c'est des bœufs. Hein. Attends, elles attaquent Chester? Bon, c'est pas grave. Deux mandragores. Je vais pas les sortir parce qu'elles vont crever. Mais alors... Ah oui, puis dans la partie d'avant, je viens d'y penser, j'avais la flûte de Pan. Je crois que ça se fait avec... avec les mandragores, non? Et je sais même pas à quoi ça sert, la flûte de Pan. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai des araignées. Donc ça, pour me défendre, ça peut être cool pour les chiens, par exemple. J'ai du bois. Seul truc qui me fait tiquer, ouais, j'ai vu aucun cochon. Ah bah tiens, les cochons. Ouais mais bon, vu que je suis avec... Ouais, voilà. Vu que je suis avec lui. Parce qu'il y a moyen de récupérer de la crotte en leur donnant des baies. Ouais, il y a un motard dehors, je sais pas si vous l'entendez. En tout cas, il y a des araignées un peu partout. Ça, c'est bien. Il y a la boxfing. Non, on s'approche pas des fleurs. Ça fait perdre la santé mentale. Bon. C'est vraiment le manque de bœufs. Mais ça se trouve, il y en a là, dans la zone. J'ai pas tout exploré. Je pense qu'on va aller se poser là, tout au centre de la caméra. Ça me paraissait vraiment bien. En espérant trouver des bœufs pas trop loin. Pour récupérer du caca. Sinon, bah on fera... Je sais pas ce qu'on fera. Parce que là, je vais avoir besoin de jarring pour planter ça, là. Il me faut du rot ou du caca. Allez, on va se faire un peu de musique. Hop, allez, venez avec moi. Ça nous fera des chants qui tapent sur le système. Alors, on va faire un petit tour à l'est. Putain, elles sont pas rapides, hein. Putain, comment elles courent avec leurs petites pattes. Hey, je vous distance. Ouais. Ah, quoique ici, c'est peut-être pas mal aussi. Attendez. Hop, hop, hop. Oulala. Oulala, il y a du marbre, des statues, des gardiens. Ouais. Ça aussi, il n'y en avait pas dans le mode survie. Hein. Je crois pas. Hein. Du marbre. Allez, pendant ce temps-là, il y a mes copines qui chantent. D'ailleurs, faut que je fasse gaffe cette fois, parce que la dernière fois que je les avais sortis, j'avais fait un feu. Et elles s'étaient replantées à côté du feu, et du coup, ben, elles ont cramé. C'était un peu dommage. Donc on fera gaffe de s'éloigner un petit peu du feu avant le lever du jour. Ou du caca, il y a des bœufs. Non? Personne? Le caca, il a pas atterri tout seul Ah non, il y en a. Ah, il y a des bœufs. Ça me rassure. En plus, ils sont nombreux, c'est bien. J'adore le bruit qu'elles font. À petite dose, mais j'adore. Hop, oui. Vous en faites pas, on fait que passer. Je suis un peu loin pour aller poser le feu en pierre. Ah oui, mais les pierres, je les ai pas sur moi, j'allais dire comment ça se fait. Non. Ouais, et puis j'ai posé ce truc. Je peux rien faire. Alors attendez, je vais peut-être aller récolter des poils Chester. Alors ça, on va le mettre là. Donc pour faire un rasoir, je sais plus ce qu'il faut. Alors le rasoir. Et il faut une machine pour faire un rasoir, d'accord. Bon bah on va pas les raser les bœufs, on va manger déjà. Alors c'est sympa le bruit qu'elles font, mais vraiment à toute petite dose. Parce que ça commence déjà à être chiant. Hop. Après faudra que j'aille récolter. Du charbon pour me faire des marmites assez rapidement. Et comme j'ai vu des gardiens, je peux récolter des rouages pour me faire le frigo. Ouais. Donc là, on est plutôt bien parti quand même par rapport à la partie précédente. Donc ça, c'est sympa. Grass dig, non. Bon, par contre, ouais. Ça suffit, non? Peut-être à un moment. You are a bad friend. Vous n'êtes pas des bons amis.
Tout ça parce qu'elle chante? D'accord. Bon. Les bœufs, j'aurais voulu vous raser, mais je peux pas. Non, va pas te mettre vers le feu, toi. Voilà. Bon, le feu est en train de s'éteindre, donc normalement, elle devrait pas cramer. Du moins, j'espère que non. Ça crame pas? Non, ça a l'air d'être bon. Est-ce qu'il y a encore un petit peu de caca pour moi? Oui. Ouh, la santé mentale. C'est tout? Pas plus de crottes? Donc, il y en a au moins 5. Ah si, encore du caca. Il me faut du caca. Plein de caca. Bon, n'hésitez pas à vous reproduire. Hein. Comme ça, il y aura plein de caca. Hop, on ramasse une dernière souffle d'herbe. Et on va aller se poser là où j'avais dit. En plus, c'est bien, c'est contourné par l'eau, là, un peu. Alors, ce qui risque de me faire chier, c'est les pingouins, alors. Franchement, j'aurais dû les désactiver, ils servent à rien. Ils attaquent les murailles, c'est vraiment des sales bestioles, ça. Bon. Par contre, je vais peut-être m'arrêter là, quand même, parce que ça fait déjà plus de 45 minutes. Mais je trouve qu'on est pas mal, là, dans le coin. Donc, on va se poser ici, hein. Tac, faudra que je fasse le ménage et tout. Que je mette tout comme il faut. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, on a des araignées pas loin, des bœufs. Bon, les bœufs sont pas sur place, mais bon, ils sont pas loin non plus. On a des lapins, du foin. On a à peu près tout ce qu'il faut, hein. Ouais. Allez, on se posera ici. Tac. Donc, en attendant, bah, je m'arrête là. Donc, je vous dis, ben, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Salut !